Yep mon les gens, c'est RashGhost, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce gameplay de fond je pense qu'il vous fera vraiment super plaisir. Parce que voilà, donc c'est un plus de 100 kills non létal sur la map Instinct en avantage avec l'arme ACM1. ASM1 excusez-moi. Donc là il y aura un peu de spawn kill par contre, un peu comme la façon où j'ai fait ma DNA en 8 secondes. Donc il n'y aura pas ça toute la vidéo, mais voilà, il y aura quand même genre peut-être un quart de ce truc là. Donc voilà, c'est pas beaucoup, un quart, mais bon, c'est du spawn kill, ce n'est pas du spawn trap. Donc ça va peut-être vous ressembler un peu à la façon où je faisais mon spawn kill sur Ghost, sur Sovereign et tout, quand on descend et on monte l'escalier par exemple. Donc voilà, là c'est peut-être un petit peu plus brutal, mais c'est de l'avantage. Les spawns sont comme ça. Et puis on peut pas rien y faire. De toute façon, c'est si je décide de sortir du spawn pour arrêter de spawn kill comme un porc, je me fais massacrer parce que le gars il sort du spawn, il met deux balles par derrière avant que j'ai le temps de m'en aller. Donc voilà. Donc voilà pour le gameplay, j'espère que ça vous aura plu ou que ça vous plaira. Donc la deuxième partie de vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Donc premièrement, je vais vous parler un peu du... Je vais débriefer sur ma semaine DNA, les choses qui vous a plu, un peu moins plu. Et après, en seconde partie, je vous parlerai d'un projet qui sortira mercredi, qui n'est pas de moi, mais qui est de Sergent Alex. Donc c'est un abonné avant tout, et surtout un super pote, qui est que j'ai depuis à peu près le début de Ghost. Donc je pense qu'il y en a la plupart qui le connaissent. Donc voilà, il a décidé de me faire une petite surprise pour mes 2000 abonnés. Je vous en dis pas plus, je vous dirai tout à l'heure. Donc tout d'abord, donc ma semaine DNA, comment s'est-elle passée? Pour moi je trouve qu'elle s'est relativement bien passée, que mes vidéos elles ont fait des vues, qu'elles ont fait quasiment toutes 250 vues à peu près, à part celle de hier je crois, ou avant-hier. Donc voilà, après je pense que elles vous auront toutes plu dans l'ensemble, que ces DNA sont franchement qui nous ont vraiment bien plu comme je disais. Celles qui vous ont peut-être moins plu, c'est celles avec des DNA toutes simples avec une arme genre AMR9, SM6. Mais après je pense que celles qui sont été les doubles ou la DNA aux morses, c'est celles qui vous ont le plus plu. Et je vais essayer justement dans les semaines qui arrivent d'accentuer sur ces armes là qui ont été vraiment emblématiques pour vous, qui vous ont vraiment encouragé à regarder la vidéo on va dire. Donc voilà, j'essaierai de vous tenter des doubles, des triples, on verra bien. Justement en parlant de ça, j'ai vu que la rage, il préférait que des gameplays avec des doubles, des triples, des quads, que voir tenter des DNA avec une arme différente à chaque fois, ou des armes plus compliquées. Donc ça je trouve que c'est vraiment dommage, parce que je sais que mes abonnés ils aiment moins bien. Ils préfèrent quand je fais des DNA avec genre l'arme le NA45 ou des trucs comme ça, que j'ai envisagé de le faire. Enfin voilà, le tag 19, enfin j'en cite pas mal des armes comme ça, même si je fais pas des scores de ouf, mais juste là avec la petite DNA qui se va avec. Et ça ils aiment moins bien, ils préfèrent quand je leur sorte des gameplays genre double DNA, triple DNA, alors que le niveau pour faire une double DNA et le niveau pour faire une DNA au morse par exemple, et c'est le même. Je trouve franchement ça s'équivaut. Donc si vous voulez, dans les semaines qui vont venir, je vais surtout tenter des plus de 100 kills et des doubles DNA avec par exemple le morse ou peut-être pas le morse, mais la ASM1, la MP6, des trucs comme ça. Pas forcément des armes très très compliquées. Et puis voilà, donc ce sera juste pour essayer de rester actif sur la rage. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et que je veux vraiment pas abandonner la rage pour ça. Donc après, secondairement, je vais vous parler de Sergent Alex qui voulait me faire un projet pour mes 2000 abonnés. Donc ce sera un petit montage comme moi je lui avais déjà fait sur sa chaîne, pour ses 200 abonnés je crois. Si vous voulez aller le voir, je crois qu'il a fait 700 ou 800 vues, je sais plus. Ça m'a vraiment fait super plaisir, parce qu'avec 200 abonnés sur sa chaîne, il a réussi à monter jusqu'à 800 vues. Donc après, moi je l'avais pas upload sur ma chaîne et j'avais vraiment partagé à mort sur ma chaîne. Donc c'est vraiment, ça peut l'aider aussi. Mais bon voilà, il avait quand même 400 vues, que je ne savais pas de qui c'était. Et donc ça m'a vraiment fait plaisir que autant de personnes aiment ce petit montage que je lui ai fait. Et c'est peut-être pour ça aussi que Sergent Alex a décidé de me remercier aussi en faisant pour mes 2000 abonnés. Donc c'est aussi peut-être 10 fois plus que lui, mais c'est pas parce que j'ai 2000 abonnés qu'il doit faire un truc beaucoup plus joli que moi. Franchement, s'il me fait un truc aussi bien ou peut-être un peu moins bien, ça m'ira complètement.
Et ce que aussi la petite surprise que je vous ai pas dit, c'est que ce montage, je ne vais même pas le regarder avant de le regarder comme vous. C'est-à-dire, je vais l'upload sur ma chaîne. Enfin, il va l'upload sur ma chaîne parce que je vais le mettre administrateur. Le truc, c'est que je ne serai pas là cette semaine, donc pour l'upload. Et pour faire le montage, pour faire des vidéos sur ma chaîne. Et donc ça tombera bien parce que Alex va me faire ce montage là, il a déjà fini pour vous dire. Mais il a mis quand même une semaine ou deux pour le faire. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc en plus je fais complètement confiance sur ses montages car il gère vraiment le Sony Vegas, etc. Les autres logiciels. Donc voilà, donc je vous demanderai peut-être d'aller le voir ou d'aller... d'aller me dire ce que vous en pensez. De toute façon ça va être une surprise pour moi autant que vous, car je vais l'upload et je vais le regarder en même temps sa sortie. C'est à dire il va sortir, je pense, je vais vous l'upload pour mercredi 10h. Ce sera mercredi hein, les gars, donc n'hésitez pas d'aller le voir mercredi. Donc je regarderai 10h le matin quand je vais me lever, peut-être midi, je sais pas à quelle heure je vais me lever. Et puis je le regarderai comme vous le regardez mes vidéos sur ma chaîne. Et ce sera la totale surprise, que ça me déçoive ou ça me déçoive pas. De toute façon Alex, je sais très bien son boulot et je sais très bien que de toute façon son travail va être vraiment un truc, ça va vraiment être joli, hein, voilà, magnifique. Je suis sûr de toute façon que ça vous plaira à vous. Et donc forcément si ça vous plaît à vous, bah ça me plaira à moi. Donc voilà, donc j'espère que ce commentaire vous aura plu. Il n'y a pas eu de sujet de commentaire sur cette vidéo. Car voilà, il fallait vraiment que je fasse un petit point sur ça et que je vous surprenne pas en vous mettant une petite vidéo de Alex sur ma chaîne. Donc voilà, donc la prochaine vidéo mercredi 10h. Et je pense que la prochaine encore ce sera vendredi, samedi ou dimanche, je ne sais pas. Je vous redirai dans les commentaires ou sur Facebook, je verrai bien. Donc ce sera pas tous les jours cette fois-ci parce que j'ai vraiment pas le temps comme je vous ai dit. Je ne serai pas là cette semaine. Donc en tout cas, bah voilà, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que mes vidéos vous plaira cette semaine-là. Je vous uploaderai tout ça à l'avance. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. Commentez, partagez, likez. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Allez, c'était Ghostkiller. Peace. Dream again. I'll tell you all my secrets. We're encouraged like a second skin. The kids are all dying. We're dying to believe again. Run through the open streets. We take what is needed.